et Florence Beauregard, finissante en sciences humaines profil monde au Cégep Édouard-Montpetit. Aujourd'hui, je vais vous parler de La vie devant soi de Romain Gary, qui est l'histoire, en fait, ça se passe à Paris. C'est l'histoire d'un petit gars qui s'est fait abandonner, qui s'est fait prendre sous l'aile de Madame Rosa, qui est une vieille dame, qui va prendre soin de lui et de d'autres enfants, entre autres. Donc, c'est une histoire qui est pleine de nostalgie. Et dans le fond, ce petit garçon-là va faire face à la vie, puis on va le voir évoluer à travers du roman, puis on va voir sa relation avec cette vieille dame-là, justement, évoluer. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce que le style d'écriture de Romain Gary est très particulier, beaucoup dans la symbolique, mais aussi beaucoup dans la nostalgie. Également, c'est un livre qui a été écrit sous le pseudo d'Émile Ajar. Donc, Romain Gary, en fait, il avait déjà gagné une fois le prix Goncourt pour un autre de ses romans. Puis, en tant qu'auteur, on peut gagner seulement une fois le prix Goncourt. Sauf que ce livre-là, qui avait été publié sous un pseudonyme, a également gagné le prix Goncourt. Donc, c'est le deuxième livre pour lequel Romain Gary a, dans les faits, gagné le prix Goncourt. Donc, je trouve ça fort intéressant. Donc, voici pourquoi je vous suggère de lire ce livre-là. Bonne lecture!